mais c'est qu'aujourd'hui, il y avait trois variétés qui étaient mieux prêtes à accueillir. Ah, je comprends. Là. OK, OK. Mais vous en avez 19. 19 variétés. Puis vous êtes capable de les distinguer? Oui, plus ou moins. Plus ou moins. Oui, assez bien. Bon, aujourd'hui, j'ai pas assez de tête. Ça, c'est Blu-ray, c'est probablement un de nos plus gros bleuets. Si on prend sur le Blu-ray, c'est lui que j'ai cueilli. Oui. Le Blu-ray, c'est où est-il? Il est ici. Ça, c'est celui-là. Regardez, il y a aussi des gens qui cueillent actuellement du Collins, qui est un bleuet plus petit. Collins. OK. Collins et Blu-ray. Alors, l'autre sorte qu'on cueille dans ce... Aujourd'hui, je pense que ça se limite à ça. C'est deux, je pense. Deux. Puis Beaufy, on dit qu'il y a aussi des framboises. On est à la fin des framboises. Oui, c'est la fin de la saison de framboises. C'est ça, j'aimerais... Non. Alors, le prix, c'est $2.25 le livre pour... Pour les bleuets. Pour les bleuets. Et les framboises? $2. Moins cher, les framboises. Oui, bien... La demande est moins bonne? Ou... Surtout que ce sont un peu plus de travail à faire parce que vous allez en acheter. Si vous allez aux framboises, vous allez voir, il y en a qui vont vous écraser dans les mains à cause des surplus d'eau. OK, ils sont... Ils sont plus fragiles, alors il faut les choisir. Je n'ai chez nous des framboises. Uh-huh. Sauvages et les grosses framboises comme les patates. Les framboises comme les patates. Enfin, j'exagère un petit peu. Hein, framboises d'automne. Je ne sais pas quelle sorte, mais ils sont gros. Enfin, les sauvages, ils sont tout petits. Chez nous, j'ai aussi des mûres. Uh-huh. Deux variétés de mûres sauvages. Une variété qui a déjà mûri et qui s'est déjà finie. Uh-huh. Et l'autre variété qui commence maintenant. Oui, puis cette année, il y en a énormément. Cette année, il y en a beaucoup, beaucoup, oui, beaucoup. Parce avec l'eau, ils s'entendent bien avec l'eau.